نصوت ثلاغ روح ريش محمد باكيرا دمسلي غاف سرتي في ثمورتنا الجزائر غاف لو اف ال 221 كرسي ومن بعد تفرني نعدل ازول محمد ازول محمد ازول وي غادي تولد امشي راه تفهمض 221 كرسي ومن بعد كاين مسلا يعني ضرني لو اف ال غير تاكيرا يفاوضوا نشتكي شو تمولي نشتي شو تمولي هاد السعود محمد القباحه مثقي سيرت ود مثلا زوج صغون دقيق قرن نعم ما تولدين لنا مرة في تفران الناقية تصييد الحوز تاقي وسن الصوضة صراحة ثاقي تاقي وسن بنالا وشكا إلا وسي بنال دونك يا ان سيرتان نمبر دو شوز إذا درنا بون لسون فيريفي تمزور سيك لو شونجمون ديال السيستيم لنا يا اوكين اسبوار اوكين بروميس دو شونجمون كي بيس رياليزي ا بارتير دو سيستيم Dans l'isolement du système, c'est que l'isolement du système, ça se confirme. Malgré tous les efforts du chef de l'État, malgré la mobilisation des médias, etc. Vous avez dit que l'isolement se confirme. Chanes de Kutivaratin, Dunith Mara. C'est une mère qui fait la vie. Donc, l'isolement se confirme. Le niveau de mobilisation des médias, de le personnel politique, a commencé par M. Bouteflika. Et qu'à la fin, on aboutisse à un résultat à Minigay-Guilaine, donc 48% de chiffre officiel de participation. Il y a eu pas mal de commentateurs dans la presse. Ils disent que c'est un chiffre qui n'est pas correct. Il y a le professeur Meptoul, par exemple, qui a l'habitude d'intervenir sur les questions nationales. Et il rapporte le chiffre de progression annuelle du corps électoral. Il le rapporte au nombre de primo travailleurs qui arrivent sur le marché. Donc c'est un chiffre de 300 000 en principe, alors que maintenant la progression du fichier électoral, c'est 500 000. Donc à peu près, il y a 1,5 million de voix. C'est un volant, c'est des électeurs fantômes. Donc il y a à peu près 1,5 million de voix à 2 millions d'électeurs fantômes. C'est des voix. C'est ce que disait le RCD parmi les points qui l'ont poussé à boycotter. C'est des voix qui n'existent pas. Donc ça déjà, c'est une donnée. Tu as aussi l'importance du vote des corps constitués. Donc c'est à peu près la marge de manœuvre ici pour fabriquer. Oui, ça signifie qu'un fichier national. Mais sans des électeurs fantômes, tu ne peux pas donner le fichier électoral. Donc c'est ça l'instrument essentiel qui a fabriqué le résultat actuel. C'est difficile de répondre. Il faudrait qu'il y ait encore des informations qui sortent, tout ce qui va se dire. Est-ce que c'est une opération qui a été maîtrisée de bout en bout, ou est-ce qu'il y a eu une volonté de fabriquer des résultats, mais que ça a dépassé leur intention? Bon, c'est pas le plus important à la limite. Hein. Toujours. خطرت ولا زمرا كاين غير حوايجنا راه ولا تدخليني لاليونس خطر 15 انا حدا الشادي سو على ماجوريتي ابسولو لان واحد 19 لي زانديبوندون اي جوستمون دو هما راه سيولا نتوري لو ار ان دي لي زيسلام بس سافي بارتي دو ليشيك سافي بارتي دو ليشيك باسكو يا يو دي كومونتاتور كي اون اتيري لاتونسيون سور سا سي دو دير كو لو بوفوار يكشم دون سيز اليكسيون لا افيك اون باز كي ايتي ان بو بلو لارج كي ايتي سيل دو ار ان دي دو اف ال ان اي دون بارتي دي زيسلاميست. Il sort de ses élections avec une partie de sa base qui l'a quitté. Il a perdu, c'est aussi, ça fait partie du bilan. Ce qui veut dire qu'en cours de route, ils ont perdu l'appui des islamistes du système. Du moins, c'est une lecture qui existe. En tous les cas, c'est des élections qui ne clarifient absolument rien, donc qui jettent encore plus de flou sur la scène nationale. Même les résultats, il est difficile de les lire, tu vois. Est-ce que ce n'est pas un coup de pouce pour Belkhadem, pour 2014? C'est l'une des questions. C'est pour ça que je te dis que les élections sont difficiles. Les résultats qu'ils ont fabriqués sont difficiles à lire, à Chouar. Est-ce que, comme disent certains, c'est une mise en orbite de Belkhadem?
Ou est-ce que Belkhadem va être. Est-ce que la contestation au sein du FLN va, à un moment donné, arriver à le débarquer de la tête du FLN? Ça aussi, c'est une question, une piste qu'il faudra suivre et observer attentivement. Est-ce qu'il y a réellement des recompositions au sein de, du système? Dans quel sens elles vont? En tous les cas, c'est des recompositions qui ont l'aval de l'Occident. Parce que l'Occident, ce qui l'intéresse, c'est pas l'exercice de la démocratie, le niveau de démocratisation, non. Ce qui l'intéresse, c'est la réalisation de ses intérêts. Si l'équipe au pouvoir, elle concède toutes les concessions possibles et imaginables au capital occidental, celles-là, elles vont applaudir des pieds et des mains. Et le FFS, là-dedans, ce qu'il a bien fait, n'a pas bien fait. Le FFS, le challenge, c'est de tenir la ligne qu'il a définie. Quelle a été la position arrêtée par le FFS, telle qu'il l'a dite publiquement? C'est de dire que ces élections n'ont rien d'honnête, n'ont rien de propre, et n'ont rien de véritables élections, mais qu'il investit l'Assemblée pour que ça soit une tribune pour lui et qu'il puisse se reconstruire autour de cet effort de clarification politique au sein de l'Assemblée, etc. Parce que, et moi, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est une tactique qui est vieille dans le mouvement, dans la gauche ouvrière internationale, elle est très vieille, c'est une tactique léniniste. Est-ce qu'il a les moyens de mettre en œuvre cette tactique? Quand on voit les remous qu'il y a au niveau du FFS ces derniers temps, on peut se dire qu'il n'a pas les moyens de cette tactique. Parce que c'est une tactique, ce n'est pas un choix stratégique qu'il a fait, c'est pas, à mon sens, ce n'est pas un ralliement au système. Il a dit son opposition au système, il a dit qu'il n'y a pas une démocratisation qui est en œuvre, mais il fait un choix tactique pour investir l'Assemblée comme un cadre d'expression. Finalement, encore une fois, après les élections, c'est les démocraties ou les chadars. Ben c'est le véritable problème. Ben oui, c'est le véritable problème parce que l'enjeu, c'était Zouara, les élections. L'enjeu, c'est le sens qu'allait prendre l'abstention ou le refus de participation. Or, le camp démocratique, il est dans l'incapacité de donner un sens. Or, on voit que c'est la majorité. C'est-à-dire que si on enlève les 2 millions d'électeurs fantômes, si on enlève le vote des corps constitués, des chefs du gouvernement, il reste à peu près 15-20% de personnes qui ont voté. Et même les 15-20 personnes qui ont voté, il y a une partie, c'est des clientèles, mais en majorité, parce que les gens ils reviennent toujours au discours de Sétif, en majorité, c'est un vote à la fois de compassion, parce qu'on a vu un chef de l'État malade, fragilisé, qui demandait un vieil homme. Tu vois, donc il y a une compassion qui est née dans un certain nombre de franges de la population. Et c'est aussi un vote de culpabilité. Pourquoi c'est un vote de culpabilité? Parce qu'il y a eu des générations qui ont été indexées, qui ont été montrées du doigt, comme quoi c'est des générations qui doivent, alors qu'elles n'ont pas gouverné, mais qui doivent laisser la place aux nouvelles, etc. Et les islamistes là-dedans, parce que quand l'Occident et l'Europe ont perdu, La véritable réduction des islamistes, elle doit être politique. C'est pas par la fraude qu'on peut réduire le poids des islamistes. Par la fraude, on peut, à la limite, donner l'impression d'un recul, comme c'est le cas avec les élections indiennes, mais en vérité, c'est les recrédibiliser aux yeux de l'opinion. C'est la c'est 147 mineurs à l'Assemblée, c'est 147 mineurs. Ça n'a pas de sens. Un pays qui a un code de la famille comme celui qu'a l'Algérie, il met 147 femmes à l'Assemblée. Ça montre le peu de sérieux de cette Assemblée. Et le peu de sérieux du fait qu'il y ait 147 femmes dans une assemblée. أنمرت محمد صحيح تمام ملي الظرف اللي تونا كارد من بعض عرفت قرب بحر الشام زو قمت وتروح ترى من بعد ذلل أدمي لما يقوم يسقلوني استمس